Vous écoutez toujours les étés généraux. On est de retour en studio. On n'a pas eu le temps d'aller acheter de la bière, donc c'est un peu dommage, mais quand même, on va essayer d'être distrayant tout de même. Je suis en compagnie toujours de Simon Beaulieu et Baron Castor, et je pense que ce serait important de souligner l'anniversaire d'un des films phares de notre cinématographie. Pour la suite du monde, grand documentaire donc de Pierre Perrault, Michel Brault, Marcel Carrière, Werner Nold et Bernard Gosselin. Donc c'est le 50e anniversaire de ce film-là ce week-end. Donc, c'est un documentaire, si tu veux le rappeler un peu, Simon, qui traitait de quoi et pourquoi ce documentaire-là est important pour notre cinéma. Ben, en fait, c'est le premier long-métrage en son synchrone, c'est-à-dire du son qui peut être pris en même temps que l'image de l'histoire du cinéma documentaire. Et c'est en fait l'histoire, c'est pas compliqué, c'est Pierre Perrault qui est allé à l'île aux coudes et qui a demandé aux pêcheurs là-bas, les pêcheurs plus, je dirais, plus âgés, de reprendre une pêche qui était abandonnée depuis, je dirais, une quarantaine d'années, qui est la pêche au marsouin ou au beluga, si tu veux. Puis, en fait, ce qu'il a filmé, ce que lui appelle dans le film les anciens, qui reprennent la pêche et qui montrent aux plus jeunes comment pêcher au marsouin, une pêche qui était disparue depuis, comme je disais, un certain temps. Puis c'est toute cette passation-là de l'histoire, de la mémoire, du temps, cette espèce d'humanité qui se transmet entre les générations, cette espèce de dialogue-là aussi à travers cette langue-là très, très riche des habitants de l'île aux coudes. Mm-hmm. Donc, c'est un film très marquant. Je me rappelle Denis Arcand disant en entrevue il n'y a pas très longtemps que pour lui, c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma québécois. Ouais, puis d'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais vu le film, il est facilement accessible sur le site de l'ONF. .ca. Il est disponible jusqu'au 1er septembre. Je ne sais pas si c'est sur ce sujet que tu s'en allais, mais disponible jusqu'au 1er septembre à la Ciné-Robothèque de l'Office national du film qui se situe au coin de Saint-Denis et Maisonneuve, mais qui va fermer ses portes le 1er septembre. Malheureusement, suite aux coupures du gouvernement Harper, le cinéma ONF qui est donc situé Saint-Denis-Maisonneuve va fermer. Il y avait et la Ciné-Robothèque aussi. Donc, qui est un complexe où on pouvait aller visionner des films, va fermer, à moins qu'il y ait des pressions suffisantes qui feront en sorte peut-être qu'on garde ouvert ce lieu-là qui était indispensable pour la mémoire du Québec. Ouais. On l'espère. En attendant, sinon, justement, pour ceux peut-être qui veulent se déplacer, ça va être mon cas, je vais aller à l'île aux coudres ce week-end. Il y a plein d'activités pour fêter le 50e anniversaire donc du film pour la suite du monde, ciné-parc sur projection géante, soirée boîte à chansons. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'activités, puis je pense que ça va être super intéressant. Michel Brault va être sur place, en tout cas. Je pense que c'est important aussi pour notre mémoire collective. Ce film-là, Marc, en tant qu'historien, ça a marqué un peu notre imaginaire, la première fois de parler, de montrer les Québécois comme ça. Oui, absolument. Je pense que c'est un des films qui est, à quelque part, un peu fondateur, ou même plus qu'un film, je veux dire, tu sais, une œuvre culturelle qui est fondatrice de l'identité québécoise moderne. Le cinéma de Perrault, comme sa poésie d'ailleurs, qui est moins connue, mais qui est vraiment tout aussi marquante, est une poésie de l'imaginaire du pays et de l'identité, de la mémoire, comme disait Simon. Donc, c'est une œuvre qui a, pas seulement bon pour la suite du monde, mais si j'élargis à toute l'œuvre de Perrault, c'est une œuvre qui a adressé des enjeux de fond. Donc, on parle de l'arrimage de la culture traditionnelle à la modernité technologique, qu'on parle de la défense des minorités francophones, par exemple, avec l'Acadie, qu'on parle du rapport à la Terre qu'il y a eu avec la trilogie des films qui a été faite sur l'Abitibi, qu'on parle encore des traditions puis des cultures autochtones avec les films qui ont été faits un peu plus tard dans les années 80, je crois. Donc, en fait, toute la cinématographie de Perrault est d'une importance capitale au niveau de l'identité nationale. Je veux dire, si je suis historien, puis avant de recommander un livre d'histoire, sauf peut-être la jeunesse québécoise, la jeunesse de la société québécoise de Fernand Dumont, là, mais je veux dire, à part Dumont, je ferais visionner les films de Perrault à tout Québécois, je veux dire, en termes d'éducation civique, tout simplement.